Bonjour, on se retrouve aujourd'hui sur le salon pour une deuxième innovation sur le 3D Printing Lab. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors le 3D Printing Lab reprend plusieurs technologies digitales, le scanner 3D pour obtenir en fait un fichier 3D d'une pièce, d'un objet physique. D'accord. Et puis on a en fait l'impression 3D métallique qu'on appelait aussi fabrication additive, produire des pièces à l'aide d'un procédé particulier. Ici c'est sur lit de poudre avec un laser. D'accord. Donc l'idée, c'est de pouvoir comprendre les deux technologies parce qu'elles vont modifier la manière dont on produit les pièces. D'accord. Auparavant, on produisait des pièces dans des grandes usines, dans des grands centres de production. Ici, l'idée, à moyen et à long terme, avec ces technologies, c'est de produire localement des pièces uniques ou en petite série pour des besoins particuliers des clients. D'accord. Et c'est, ce qui est vraiment génial et ce qui m'a tapé à l'œil, c'est vraiment le fait que ce soit des pièces. Alors on connaît l'imprimante 3D classique qui imprime sur du plastique, qui imprime sur des matériaux, du PLA, qui imprime sur toutes sortes de choses. Mais là, c'est du métal. C'est du métal. Acier inoxydable, on peut aussi imprimer de l'aluminium, du titane, des aciers vraiment techniques, base nickel pour tout ce qui est haute température. D'accord. Donc il y a beaucoup d'applications. Les normes et les standards sont encore en construction, donc la technologie est en cours de maturation. On est vraiment à un moment où ça part en industrialisation. D'accord. Donc c'est l'idée pour laquelle, chez ENGIE, on veut aussi être un petit peu proactif, comprendre la technologie et ce que ça peut apporter dans le futur. D'accord. Et aujourd'hui, cette technologie-là, elle est à destination des entreprises ou bien des particuliers ? Alors pour le plastique, c'est vraiment pour les particuliers. Ici, on parle de machines vraiment techniques, industrielles, qui font la taille en fait d'un grand bureau. Ce sont des grands containers, on a des poudres métalliques. Oui, c'est vraiment un environnement industriel avec des normes de sécurité vraiment drastiques. D'accord. On a aussi des procédures industrielles, du personnel qualifié, des procédures vraiment spécifiques. Donc on part vraiment sur des applications industrielles dans un environnement industriel. D'accord. On n'a pas encore de machines poudres métalliques à disposition des particuliers. D'accord, génial. Et dans le futur, vous imaginez un petit peu amener ça au quotidien à des personnes qui, du coup, voudraient créer sur des pièces métalliques avec leur imprimante 3D qui pourrait évoluer dans un temps futur ? Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'impression 3D métallique et non métallique. À moyen et long terme, on voit la tendance qu'on aurait différents types de distribution. Des constructeurs mettent en ligne des fichiers et des particuliers produisent les pièces ou les font produire dans des centres délocalisés. D'accord. Donc ça serait une vision du futur, par exemple. Et aujourd'hui, est-ce que vous voyez ces pièces dans des voitures, par exemple ? En fait, au niveau aéronautique, d'accord, on sait déjà que certaines sociétés ont certifié certaines pièces. D'accord. Donc on est vraiment dans un shift au niveau implémentation de ces pièces. D'accord. Aéronautique, automobile, aérospatiale. Un certain nombre d'applications commencent à devenir, implémentées dans l'industrie. D'accord, donc c'est vraiment pour remplacer les pièces en quelque sorte et pour que ce soit créable par n'importe qui, dans une industrie par contre. Voilà, oui, c'est vraiment, ici on reste vraiment au niveau industriel, mais il y a aussi un autre aspect, créer des pièces qui ne seraient pas productibles par des procédés traditionnels. Il y a une pièce ici qui est assez intéressante, avec une géométrie vraiment complexe, c'est très difficile et aussi très coûteux de la produire avec un procédé traditionnel. Donc, d'accord, cette technologie permet de créer des nouvelles applications, des nouveaux designs. D'accord, génial. Bah, merci beaucoup en tout cas, ça m'a fait très plaisir de passer sur le stand. Donc c'est le 3D Printing Lab, vous avez un site internet sur lequel ils puissent aller voir ? Sur ENGIE.com, on sera redirigé vers les applications et le projet, disons, 3D Printing du groupe. D'accord. Bah merci beaucoup, merci à toi. Merci. Ça m'a fait très plaisir de passer là-dessus. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur le 3D Printing Lab, sur toutes les méthodes, sur comment ça fonctionne, rendez-vous dans la description. Ça m'a vraiment intéressé de voir qu'au final, on peut imprimer beaucoup plus de choses que du PLA ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment à destination des entreprises par contre, et non pas des particuliers. Mais bon, dans un temps futur, pourquoi pas. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. On se retrouve demain pour l'innovation du jour. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.